Bonjour à tous, ici Yakipon de retour pour une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Et on va commencer avec Ahri, renard à 9 queues. Ahri est devenu la source sûre depuis un petit moment. Et oui, maintenant vous avez juste à faire un bisou, un DFG, vous mettez le reste de vos sorts et voilà, vous avez gagné avec Ahri. En plus, ce qui est bien avec Ahri, c'est qu'elle a de l'escape. Elle peut facilement s'en sortir contre un gank. Anivia, Cryophénix. Anivia se joue mid elle aussi. Elle est un peu plus compliquée à jouer que Ahri, vu que ce qui est chiant avec Anivia, c'est qu'il faut poser son stun. Si vous posez son stun, vous mettez une pique de glace. Si vous mettez la zone, vous mettez une pique de glace. Quoi que vous faites, il faut mettre une pique de glace. Jarvan IV, exemple Démacien. Jarvan IV se joue en tant que jungler, et il est vraiment fort, vu qu'il peut se protéger et donc clear les vagues pas de sbires, mais de la jungle assez vite. Même dans la nouvelle jungle, oui, il est bien bon. Ensuite, ce qui est bien avec Jarvan, c'est qu'il peut enfermer des gens dans une petite zone, et donc tout le monde peut les focus tranquillement. C'est vraiment cool, et en plus ça les évite de fuir. Ou sinon, ça fait craquer les flashs, ce qui est aussi une bonne idée. Kog'Maw, gueule des abysses. Kog'Maw se joue en tant qu'AD carry. Et je l'aime bien, parce que Kog'Maw, en fait, il peut faire des dégâts magiques sur ses dégâts AD de base. Et oui, il a un sort pour ça. Et en plus, ça lui augmente la portée, alors c'est tout bénef. C'est ça qui est bien avec Kog'Maw, c'est qu'en fait, il arrache la tête au tank. Enfin, en fin de game, certes, mais il arrache la tête au tank avec ça. Nocturne, éternel cauchemar. Nocturne se joue en tant que jungler. Et je sais pas ce qu'il donne dans la nouvelle jungle. Et oui, maintenant c'est le bordel pour faire la jungle, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les monstres sont très compliqués, vous avez moins de vie qu'avant pour ganker, enfin, c'est le bordel. Bref, en tout cas Nocturne est très bon pour arriver sur une ligne très vite grâce à son ulti. C'est ça qui est bien avec lui, c'est que son gank est souvent très surprise. Nunu, dompteur de Yeti. Nunu se joue en tant que support ou en tant que jungleur. Il est bien en tant que jungleur, mais bon. Nunu, en fait, ce qui est bien, c'est que il peut faire des gros pièges dans les herbes. Vous mettez dans des herbes et dès que des gens commencent à arriver, vous lancez votre ulti. Généralement, il y a au moins 3 bonnes secondes avant qu'ils se rendent compte que vous êtes dans le bush en train de faire votre ulti. Et là, souvent, c'est le drame. Vous les explosez tellement facilement. C'est ça qui est bien avec Nunu, c'est la surprise. Shen, œil du crépuscule. Shen se joue en tant que top. Il est vraiment balèze, vu qu'il peut faire des taunts. Et ça, dans ce jeu, c'est la vie. Si vous ne ratez pas votre taunt avec Shen, généralement vous faites un kill. De plus, si vous avez des alliés dans la caca, eh ben, c'est bien Shen, parce qu'il peut se téléporter, faire un bouclier et ainsi intervenir sur une ligne, tranquillou. Taric, chevalier aux gemmes. Taric se joue en tant que support. En ce moment, pas trop, parce que ben, il faudrait qu'il fasse quelque chose sur Taric, les pauvres. Enfin bon, Taric de toute façon c'est un support tanky, donc ça c'est déjà pas mal, vous avez le droit d'aller dans le tas, si vous êtes sûr de faire énormément de dégâts et d'en prendre le moins possible. Twitch, semeur de peste. Twitch se joue en tant qu'AD carry, il est vraiment nul, parce que... Bon j'arrête, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Twitch en fait, ce qu'il faut jouer c'est les dégâts de base en fait. C'est vraiment ça, c'est vous posez vos poisons et vous attendez avec joie ou avec détermination de voir si vous gagnez un kill ou pas avec ce putain de poison. Vel'Koz, œil du néant. Vel'Koz se joue en tant que mid. Il est très fort parce que plus il fait de sorts sur une cible, plus la cible ramasse sa mère. Et quand je dis ramasse sa mère, c'est vraiment elle prend très cher. Faut être bon en géométrie aussi avec son A et surtout n'oubliez pas que son... petit ulti peut se diriger, lentement certes, mais peut se diriger avec la souris. Et nous en terminons ici. N'oubliez pas, jeudi vous avez Regard dans le rétro et avec Ra'lga, puis vendredi le point sur l'actu avec Jacques. Bon voilà, c'était cool d'avoir fait cette rotation avec vous, à la semaine prochaine, bonne game. N'oubliez pas de vous entraîner dans cette putain de nouvelle jungle qui est infaisable, et à la prochaine, ciao ciao.